Espèce de petite pétasse, tu t'es pris pour. Bada, lui, c'est le directeur de la banque, ce PO. Ce petit fils de pute, là, c'est le directeur de la banque, ça a taille. Aujourd'hui, il a mis, il a mis la veste sans manche, tout ça. Il me regarde, je m'assois à côté de la conseillère, tu sais. Je lui dis, puis je m'assois, fils de. Ta, 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 ta. Je lui disais, je lui dis, oh, mais il est inconscient, ce fils de pute, quoi. Oh, voilà. Je voulais sortir ma ceinture, Zopi. Elle fouettait avec. Jusqu'à la hanoche, ils viennent, Zopi. Tiens. Oh, je lui réexplique encore. Oh, avant qu'il vienne ce fils de pute, je retirais ce que je voulais, ce pays. Sachant que je suis interdit à ma bancaire et tout. Je retirais, côté, en fonction des hommes et moyens, t'as vu? On dirait que je lui ai demandé un crédit de. Je lui dis, ouais, 300 000 euros, je l'ai vu tout de suite. Hier, je t'ai demandé, fils de pute, 30 balles pour le retour. J'ai assisté une fois. J'avais un truc à faire, tu vois. Bon, bref. Et je me suis cassé direct, c'est dégoûté. On est le 1, là maintenant, la paye, elle tombe vendredi à minuit. Ou là, jeudi à minuit, elle tombe là. Non, la paye, elle tombe dimanche. Normalement. Et on la reçoit vendredi, regarde. Je lui dis tout. Je vais déjà montrer mes ventes, tout ça, tu sais, que j'ai rien vendu, toi. Ça arrive, tu sais. Si tu veux vendre quelque chose à Belfort, Zabi, tous des chiens de la case, Zabi, dans le business, tous des chiens de casse à Belfort, je te le dis. C'est une ville de dalleux ici, laisse tomber, pas d'avenir ici, au moins. Ouais, le système, il vous a rendu comme ça, à ce point-là, Zabi. Moi, je suis au plus carrément, moi. Un truc, tu vois. Et puis, vous savez très bien, je vois pas n'importe quoi, Zabi. Je crois que je vais. Truc qui coûte, je sais pas combien, il est négocié encore. Ouais, ça va pas, quoi. Bref, je l'ai. Oh. Ça y est, je me suis dit, ce soir, je suis en garde-à-vue. Ben, 48 heures, je me suis dit ce soir, ça y est, ils mettent un Dali direct. Alhamdoulilah. Depuis la banque, oh, je l'ai insulté tous les. Je me rappelle plus, je lui ai dit quoi comme insulte, mais. Le bureau, oh, heureusement, il y avait la secrétaire, tu sais, la conseillère. La banquière aussi, ou je sais pas. Bref, je sais pas, elle travaille là-bas, oh, t'as vu un grand bureau comme ça, d'habitude, tout le temps, jamais je suis allé dans son bureau, les gars. Oh. Deux fois, voilà, la première fois que je suis allé dans son bureau, j'ai filmé l'instant T, tu sais. Même après-midi, il est bâtard, c'est mon travail, ça, fils de pute. Comme je lui dis tout à l'heure, là, je dis, je vais m'en sortir, toi, faire un billet, tout. Ils s'en battaient les couilles, ce que je lui disais, voilà. Il disait, ben, vous venez samedi, vous la passez vendredi, vous venez retirer ça. J'ai réussi à reporter le rendez-vous pour mon affaire, quoi, t'as vu.
s'en battait, puis jouait le web devant ça, devant sa redama, quoi, devant son employé, t'as vu, genre, le directeur. Monsieur, j'aurais capté, comme ça. Mais monsieur le banquier, comme ça, vous vous rendez compte ce que vous êtes en train de me dire là? Je vous. Ah, non, mais vous venez à chaque fois. Vous. Ah ouais! Il m'a dit, on vous donne ça, vous vous laissez. Je laisse finir le truc. Oui. Après, rat, il m'a mis hors de moi, ce fils de pute. Et je me suis dit, oh, ça aurait été avant. Rat, son pied. Je l'aurais sorti. Je l'aurais sorti par derrière, là, par ces bretelles là, comme ça, dans la banque. Je l'aurais niqué sa mère dehors, Zampio. Voilà la banque. Mais toi, espèce de petite. Voilà. Sa sorcière. Ben. Ça tombe bien, j'aimerais bien lui parler. J'espère que vous êtes pas. Yarabbi, c'est pas mal. J'espère qu'il s'est pas marié avec toi, espèce de sale pétasse. Ou en embrouille, la à chaque fois, je. Oh. Laisse la banque d'abord, Zepi. Oh. On laisse le rat pour la fin, Zepi.